Désolée. Non, c'est pas grave. Oh là là, c'est reparti, désolé. Vos pompes sont incroyables. Oh, le train, c'est magnifique. Oh, 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 God, les gars. De retour, bien évidemment, pour le Royal Rumble. Tout le monde est en place. Je vous propose de découvrir tout de suite nos invités. Voilà, et vous allez voir, il y a Gotaga ce soir, c'est fou. Regardez. On est de retour et normalement elles sont déjà toutes là en vocal, les filles. Salut à vous toutes. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir. Yes. Bonsoir. Salut. Wendy, Dejna, Linoa, Voz sont avec nous ce soir en plus, bien sûr, de Meili et de Yuna. Donc la spéciale fille, c'est la deuxième édition. Sauf que cette fois, on l'a dit, le level est extrêmement élevé. Dejna, toi, t'es la seule avec Yuna, Meili, pour qui c'est la deuxième participation. Ça va, t'es confort, quoi. Tu connais déjà. Ouais, ça va. Si tu devais donner un petit conseil aux petites nouvelles, on va voir leur première tentative, qu'est-ce que tu leur dirais? De pas stresser, d'y aller pour le fun et de s'amuser. Voilà. S'amuser, effectivement, c'est le principal. On va découvrir du coup maintenant les trois autres personnes qui, pour eux, c'est leur première participation. On va commencer par Wendy. Salut Wendy. Coucou. Pourquoi c'est moi qui commence? Bah, pourquoi pas? Ça te dérange de passer avant tout le monde? Non, pas du tout. Non, je me permets parce que je sais que t'es inhabituée. Non, pas du tout. Pas forcément de la Gotaga TV, mais tu joues beaucoup avec Mikalo. Enfin, les gens te connaissent à peu près déjà parce qu'on t'a déjà vu à pas mal de reprises avec des joueurs Vitality. Première participation du Royal Rumble. Qu'est-ce que t'en penses du format, honnêtement? Moi j'aime bien. Ouais, mais il y a par contre entre le. Ah, c'est TS1. C'est le cerveau le temps que ça monte. C'est Wendy. C'est Wendy. Hein. C'est Wendy. Et moi, arrêtez, je critique pas Wendy, je joue avec elle sur CS. Elle met des têtes. Ça va en vrai. Il y en a d'autres aussi pour qui c'est leur première participation. Il y a Linoa avec nous. Salut Linoa. Salut. Alors streameuse Fortnite, hein, on le sait. Gros niveau de jeu de ton côté. Est-ce que tu assumes? Tu assumes pas? Gros niveau, non. Non, elles font tout ça. Hein, pas. Quand elles vont commencer à one shot Gotha là. Tu vas pas comprendre d'où? Comment tu te sens? Stressé, pas stressé, tu t'en fous? Il y a beaucoup de monde qui regarde, certes. Ouais, un peu stressé, ouais. Ouais. Mais ça va, franchement, ça va. Il reste une dernière invitée, c'est Voz. Salut Voz. Bonsoir. Alors, toi aussi, streameuse Fortnite, principalement, j'ai vu. Exactement, ouais. Un certain niveau de jeu aussi. Je vais rien dire parce qu'après, si je me vante un peu et que ça suit pas en ouais, game. Tu... Bah, vu que les autres l'ont pas fait, ouais. C'est ça. Vu que les autres ont pas pris de risque, je comprends que tu veuilles pas non plus. Ah, ouais, non, mais clairement. Prendre risque, en tout cas, merci. Merci à toi d'être là, merci à vous toutes d'être avec nous ce soir. Faites honneur à la gente féminine, montrez le niveau de jeu, montrer que sur la Royal Rumble tout est possible. On le rappelle, la dernière édition c'était Yuna qui est juste à côté de moi qui avait remporté le titre. On rappelle, il y a un trophée à gagner pour la meilleure de ce soir, ou peut-être Gotaga gardera ça pour lui une fois de plus. Mais on démarra déjà avec le Bambi parce que le premier défi était tiré au sort. Est-ce que vous connaissez bien toutes les règles? Moi je veux bien un rappel. Ouais, oh, putain, mais je joue le jeu quoi, c'est dingue. Ah, mais je comprends. Bah, pour... Oh là là, t'es fort. Hein. Non, je pense c'est vrai. Je pense pour Dejna, on envoie le petit rappel, mais peut-être pour vous aussi sur le chat ça peut aider. Et ensuite, on démarre par le premier round de ce Royal Rumble. Bienvenue dans le Royal Rumble! Le concept est simple. 8 candidats s'affrontent sur 6 spawns de 5 minutes avec pour unique objectif marquer un maximum de points pour devenir le grand champion de la soirée. Pour marquer des points, il faudra faire attention à plusieurs choses. Premièrement, le placement. Chaque joueur sera récompensé suivant son classement final avec un barème de points défini, allant de 7 points pour le deuxième à 1 point pour le dernier. Le premier de la manche, quant à lui, remportera 10 points. Les kills? Eh ben oui, parce que chaque kill rapportera 1 point supplémentaire. Et pour finir, les bonus. En effet, une roulette avec des défis sera lancée en début de chaque manche. En accomplissant des kills avec le défi donné, vous obtiendrez souvent des points supplémentaires. Mais attention, vous pouvez aussi en perdre parce que oui, la roulette vous réserve de multiples surprises. Un dernier détail, mais pas les moindres. Si vous êtes encore en vie à la fin du timer, vous ne marquerez aucun point. Alors, campez pas trop, hein. Ah oui, aussi, on est sympa avec vous. Le perdant de chaque manche aura l'honneur de choisir le spawn de la manche suivante. Alors bref, bonne chance à tous et surtout,
que le meilleur gagne. On était en train de se dire qu'il fallait tirer au sort parce que le Bambi, c'est forcément sur l'un d'entre nous que ça va tomber. Pour rappel, celui qui sera tiré au sort, du coup, si on vous tue, ça rapportera 6 points pour celui qui vous tue. Et par contre, vos kills sont doublés. C'est à double tranchant, ça peut être intéressant. C'est Gotaga, c'est trop bien pour la première. C'est Gotaga qui sera Bambi sur cette première game. On va où ? Pause, vu que tu as été la plus soutenue sur le chat, je te laisse la main, tu choisis la première ville. Bah écoute, Tilted, let's go. Allez, Tilted Tower avec une minute supplémentaire. Ouais, Tilted. Attention, parce que je crois qu'il y a quelqu'un avec moi et ça, ça a l'air d'être du Gotaga, ça. Oui, Gota, je suis chez toi, effectivement. Et j'ai un pompe en main. C'est pas un skin Bambi, ça, Gota. Et c'était pas Gota. C'était la douce Wendy, désolé. Non, c'est pas grave, hein. Wendy. C'est le jeu, hein. Wendy, par contre, elle est sauvage. Voilà, je tiens à préciser, elle m'a sauté dessus. Est-ce qu'il y a que moi qui ai du stuff de merde ou... Moi, c'est pareil, j'ai même pas de pompe. Non, mais c'est très, très... T'as pas de pompe, par contre, c'est intéressant. C'est qui joue avec la porte là? Je vais te fumer toi, vraiment. Reste en dehors de tout ça. Ah Lino, j'ai prévenu hein. Non mais t'as cherché. Ah, tu m'as fait très mal par contre. Fais gaffe Gota, hein. Ils sont énervés. J'ai vu ça. Je te jure que c'est moi qui campe, c'est moi le campeur putain. J'ai honte. Ouais, je te cache pas, moi je suis pareil. Hein. D'ailleurs, je vais bouger un petit peu parce que j'avoue que... En tout cas le Bambi est toujours vivant. Et je crois que nos deux invités là en direct sont aussi vivants, je les entends pas parler mais il y a une... Ah mais moi je parle plus là. Ah, moi je parle plus non plus hein. On a bien rigolé c'est tout ça mais maintenant... Je ne vois personne et je ne suis pas en mesure de pouvoir rusher comme je voudrais. Pour l'instant le timer ça va mais attention quand même. Désolé. Non, c'est pas grave. Oh là là, c'est reparti les tutelés. Non, je voulais pas. Attends, de chenage, je vois que le niveau, il a pas évolué. Hein. Ah non, du tout. Je sais même pas comment jouer là. J'avoue que je suis perturbé aussi. Mais ouais, je suis perturbé aussi. Il y a des plaies jaloux. Tout va bien se passer. T'es où toi, Doug là? C'est toi là qui est vers le bâtiment ouvert là? À sauter? Mais si, c'est un Bambi ça. C'est moi ça, un Gotha. Hein. T'es où? Elle, vraiment. Chez toi, je t'ai dit. Ok. Moi, je te mets des petits 5 HP comme ça. Eh oh! Gota, viens on se fight comme des hommes. Il reste 2 minutes et 15 secondes, on a encore 4 en vie. Mais je crois qu'on est les 4 dans la salle. On est les 4 ici. Ouais, je crois que c'est ça. Oh, c'est les 4. Ouais. Il y a le Bambi, mais en vrai c'est moi qui devrais tout donner pour essayer de tuer Gota. Ah ouais. Moi je crois en Yuna. Vu que Yuna non, c'est pas possible hein. Je sors du bâtiment raid. Je suis un bon homme. Je suis au niveau du bus. Mais attends, il est tout en haut le gars. C'est le Bambi, ça se comprend mais... C'est bien ça. Venez, on s'allie contre lui là. Ok. Pas très gentil. Une minute, Gota, faut que tu sortes de cet endroit, on peut pas te fight. Pense à Meili aussi. Ah, c'est Meili ça. Il y a Meili qui s'en mêle. Putain, Meili contre Gotaga. French Monster, il reste 30 secondes, Gota, j'essaie de te rush. Hein. Vraiment, je suis pas en mode bâtard. Bien joué. Gotaga qui remporte ce round avec 3 kills en Bambi. Ah, j'avoue que j'ai pas joué le carré, je suis resté en haut, j'étais bien. On a tiré le nouveau défi, ça sera AR-2, donc toutes les AR. Donc attention, c'est qu'en cas d'extrême nécessité. En tout cas, premier round, très sérieux, très concentré. Yuna Meili, vous êtes arrivé très loin quand même. Focus. On l'a dit, le niveau ce soir va être très élevé. Au final, je m'attendais pas à ce qu'on tryhard tous autant, genre. Ouais, c'était super calme. Chacun atterrit, il n'y a pas eu un bruit pendant énormément de temps, genre. C'est incroyable. Chacun avait son petit bat. Tilted, on a tous ce petit moment calme. Je crois que la dernière, c'est Wendy, justement. Et donc, du coup, tu vas avoir au moins la chance de pouvoir choisir la prochaine ville. Ah, quelle chance, quel honneur. Retail. Ouais. Retail. Ok, c'est parti. Ouais. Allez, petit test, Linoa. C'est quoi le malus? C'est AR-2. Ah, pardon, oui. J'ai compris Gota, je sais pas pourquoi. Désolé, moi je suis là pour aider. Moi je pas de piège. C'est peut-être mon jour de gagner mon royal là. Mais par contre, Yuna, s'il te plaît, juste un truc, ne dis pas désolé, s'il te plaît. C'est sorti tout seul. Quand c'est entre mecs, je m'en fous, tu vois. Mais entre filles, ça me gêne. Trop mignon. On interdit le désolé. Non, mais je te jure. Ça va à l'encontre de l'esprit du Royal Rumble. Oui, mais déjà au Master Kill, je voulais qu'on joue ensemble alors. C'est vrai aussi. Donc... T'es trompé de soirée en fait. Ouais. Oh, mais j'avais pas d'armes. Désolé, meuf. Ah non, allez, 100 points. Oh putain, mais meuf, pardon. Mais arrêtez. Non, mais là, comment on se l'esprit? C'est une blague. Oh, je suis désolée, Gotaga. C'est le seul bolos qui genre joue avec des airs quand c'est interdit. Bah, quoi. Je sais pas, moi, parce que j'ai pas tué. T'as tué l'air? Bah oui, moins 2 pour Doug, mais c'est, il adore remettre comme ça tout le temps. Moins 2! Oh, j'ai avec ça en vrai comme arme. Donc j'ai pas avec ça. C'est incroyable, il est tellement chiant. Son but dans la vie, c'est juste de niquer les games, quoi. Allez, on va s'occuper de ça. Oh, ça se cache dans les sous-sols. Allez, ça se cache dans les sous-sols, rien du tout. Allez. Voilà. Allez, moins de Yuna quand même. Oh non. Mais j'ai moins 4 même. Prends la SMG à côté de toi, non? Attends. Oh non, c'est trop triste là par contre.
Mais par contre, tu l'as bien lavé. Hein. Il méritait, Mathieu. Oh aussi non, je suis deg. Il s'est fait salir. J'ai pensé. Je suis trop triste. Comment il s'est fait laver? Après, la balle de pompe m'a fait quand même très mal. Bah, c'est un pompe, hein. Tu ouais, sais c'est vrai. En vrai, j'avais carrément zappé. Yuna, peut-être. Tu vas peut-être rattraper ses points. Minute 30, vous êtes en duel de bullfight. C'est beau de voir ça. Yuna face à Meili encore une fois. Oh, face to face, les deux ont touché. Ça va jouer un détail, à rien du tout. Meili qui a fait le des cases, c'est bien protégé. Meili qui esquive une autre balle de pompe. Yuna qui touche 14, ça c'est bien. Pas la victoire de Meili. C'est close. Quel duel. J'avais 15 HP. Désolé. Ah bah, je suis désolé, j'avais 15 HP, j'avoue. Mais par contre, ton pompe, toi, c'est un bazooka, ouais. Yuna. Ah ouais, 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 mais franchement, elle m'a fait. Non, mais c'est la première fois que je mets un 160 comme ça. Alors, c'est pour ça que je suis dingue. Le prochain défi, ça sera pompe moins 3. C'est exactement la même règle que pour les AR. Si vous finissez un kill avec le pompe, c'est moins 3. Effectivement, c'est le plus compliqué parce que le pompe est l'arme la plus utile en Royal Rumble. Ça paraît très logique. Si vous voyez Dwag, prenez un pompe parce que lui, il n'hésitera pas. Faites attention. Arrête de donner mes strats comme ça. Paradise, du coup ? Ouais, ouais, c'est Paradise, du coup. Non, j'ai eu un bug. J'ai les pires armes. Tous les 7 encore debout. Avec Linoa qui gagne son deuxième duel face à Wendy. On rappelle hein, les pompes, moins 3 à éviter sauf en cas d'extrême urgence. Wow. Oh Linoa. Oh Linoa qui s'est fait battre par Gotaga. Désolé. Ah c'est pas grave, t'inquiète. C'est toi les filles. Hein. Moi je cherche des soins là. J'ai du soin si tu veux. Ouais mais non, ça va. C'est très concentré. Gotaga qui est inspiré là. Gotaga qui vient éliminer Vose au sniper 72 mètres alors qu'elle était actuellement en train de se faire rush. Gotaga qui a été malin, qui a pris son temps et la deuxième balle de snipe sur Dejna alors que derrière quand même il fait punir Gotaga avec sa propre tourelle, j'ai l'impression. Il reste 1 minute et 15 secondes. Vous êtes 3, ça devrait bien se passer. Il reste Gotaga, il reste Yuna et Meili. Étonnant dans ce troisième round. Il y a une certaine stratégie à adopter parce que ça marche. Et Yuna qui tombe une fois de plus face à Meili. Le duel cette fois-ci c'est Gota. Joueur Vitality face à Meili, joueuse de la team Auxerve. Meili elle est pas là pour rigoler, elle le veut hein, son Royal Rumble. Et pour ça il va falloir passer sur le corps de Gota qui joue Magnum, bien sûr, c'est méta. Il a quand même tenté le coup. C'est intéressant ce qui se passe. Hein. Laisse-moi tranquille, Meili. Meili, là, je crois qu'elle est énervée là. Elle a l'air énervée, par contre, Gota contact. Heureusement, beau réflexe de Meili là avec l'escalier. Permet de souffler un peu. Non. Oh. J'avais plus de concept. J'ai. Ouais, 7 mini. Ouais. Ouais. Les filles m'ont mis bien, Top 1 4 kills pour Gota. Ouais, Diggle et Barrette quoi. À 10 secondes de la fin. Mais c'est les filles qui m'ont mis super bien propre. Bon, les filles là, va falloir le gêner hein, parce qu'ils s'envolent hein, dans ce Royal Rumble. Moi, je n'avais pas de pompe là. Ouais, Il y a nous sur le chat. Allez, Wendy, mets ta souris à ta droite de ton clavier maintenant. Ah, non, mais j'ai vu qu'il y a. Parce que Wendy, elle joue quoi avec Yannou. Ouais, Yann, il joue beaucoup de conseils là. Ah, mais Yann, il est beaucoup de conseils. Ouvre les yeux quand tu joues Wendy, s'il te plaît. Mais Wendy, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te trash plus que Yannou genre? Ah oh oui, bah attends. Ah si, aussi, Mika, si, pardon. Il y a les gens qui expliquent ça. Oh, Aki, il slash. Hein. Ouais. Aki est plus violent que Mika. Bah là, Aki vient de lâcher sur le chat. Wendy, vraiment horrible. Voilà, le mec qui parle. Ouais. Non, mais qui je crois que Aki, c'est la personne la plus gentille du monde. Par contre, pour Wendy, genre, c'est. Ouais, c'est pas. Je pense qu'il m'aime pas. Et du coup, bah, de faire sentir, c'est pas grave. J'ai entendu, c'est. Il y a pas qui pour Wendy. Ouais, c'est Dejna. Ah ouais? Dejna dit ça, ouais. Je sais pas pourquoi. Ah d'accord. En fait, je pense parce qu'on est des filles, hein. Il est un petit peu maladroit. Ouais. Maladroit, macho, des synonymes, tout ça. Tu vois, je cherchais encore les défauts d'Aki et je commence à voir plus clair maintenant. Aïe, 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 et c'est vrai que maintenant que vous nous expliquez tout ça, ça me paraît logique, ouais. C'est vrai qu'Aki. Le pauvre, tu sais, ça se retourne contre lui. Il aime pas en plus quand ça se passe comme ça. En tout cas, vous avez vu le prochain défi, il est très compliqué, c'est 3 slots maximum. Ça veut dire que quand vous avez 3 items, vous pouvez plus rien ramasser. Mais par contre, vous pouvez jeter quelque chose avant de ramasser autre chose. Essayez de respecter la règle, même si parfois, même nous, on a 2-3 oublis, on essaye vite de lâcher quand on a un 4ème item. L'idée, c'est d'être le plus clean possible. Donc, dès que vous avez 3 items, pensez-y. Il faut absolument jeter quelque chose pour ramasser autre chose. Au Retail Row, c'est moi qui choisis, j'étais dernier. Okay, okay. Tu m'aimes pas, Dwayne. T'aimes pas Retail? Oh, je déteste Retail. Mais non, mais c'est la ville de cœur du Royal Rumble. De toute façon, on avait toutes nos maisons, hein. Ouais, on change, on change pas, les gars. Non, chacun on change pas. On est bien. Ok. Ouais, c'était très bien. Non, j'ai pas les bonnes armes. Oh, alors, on assume pas le duel? On veut fuir? C'est qui? C'est du Gota, ça. C'est Gota! C'est incroyable, hein. C'est Wendy!
Wendy. Je te déteste. Ouais, t'es forte. En vrai, j'ai pensé que c'était Gotha tellement. Putain, bien joué. Deux fois que tu me confonds avec Wendy quand même. Bah, comme quoi. Je le prends pas mal, hein, mais. Je te jure que c'est pas négatif, hein. Parce qu'à chaque fois. Mais je te déteste en plus tout le temps, tu t'en sors l'eau. Je te déteste. Oh, je t'aime pas. Ah oui, je t'aime pas. Je le dis, hein. J'ai 5. Bon, on va se qualifier. Je lâche l'écran, je me casse. Bonne chance à tous. Parce qu'encore, il y a l'erreur de quand ça ramasse automatiquement. Ok, mais là, t'abuses. Ah, moi, j'ai le truc qui ramasse auto. Et moi aussi. Non, mais j'avais pas genre 4 slots. Le point, il est pour moi là. C'était pas 4, c'est 5. Genre. Quand je t'ai tué, j'avais que 3 slots en fait. Non, le point. J'ai vu le cadavre de Wendy, j'ai tout ramassé. Attends, faut que je me suicide pour que personne ne prenne 2 points sur moi, mais comment je me suicide? Donc, ouais, non, en vrai, je vais disqualifier, j'ai 0 points et tout et tout. Putain. Putain. Je meurs. C'est trop nul cette règle. Qui l'a inventée? C'est Polo, putain. Le cadeau empoisonné, quoi, de Wendy. Oh, mais Meili, à chaque fois, je te croise, merde. Toi. Attends, je vire. Excusez-moi, ça ramasse auto, les gars. Alors, il reste qui? Vous êtes encore 4, il vous reste 2 minutes 37, vous êtes large. C'est qui ça? Je crois que c'est moi. Pas sûr, mais. Peut-être pas, peut-être c'est une feinte. On va vite le savoir en tout cas. On va rentrer dans les deux dernières. Oh, c'était Vose. Effectivement, qui avait un petit peu annoncé qu'elle était dans les parages. Ah, je suis pas sûr, mais. Non, mais c'était toi, effectivement. Linoa qui est encore là. Peut-être face à Vose. Oh, oui, c'était elle. En tout cas, Vose a eu le très bon réflexe. Les build fight, tout ça. Et honnêtement, 3 items, c'est très propre. Hein. Côté Vose, ça respecte les règles. Mais Meili derrière qui vient punir. J'ai entendu le petit coup de souris de Vose hein, quand même. Je sais pas, non, je peux pas dire, mais. Un peu agacé. C'est quoi le défi? C'est interdit d'utiliser les coffres. Et si on ouvre un coffre sans faire exprès? Ah, c'est même pas. Non, mais. Un coffre, tu ne peux pas faire exprès. C'est trop mignon. C'est quoi ces règles? Moi, c'est jamais, tu. Oh, non. La dernière, c'est encore Wendy, je crois. Ouais, c'est ouais, non, c'est moi, mais moi, je l'avais dit. Hein. Ça va, tu passes une bonne soirée, Wendy? Ouais, mais je m'amuse. Non, mais dis-le que tu t'amuses, hein, dis-le. Mais je m'amuse clairement. Ramenez-moi quand vous voulez. J'ai plaisir. Moi, on m'a dit qu'elle mettait l'ambiance, Wendy, je suis pas déçu. Bon, du coup, là. Bah, c'est Wendy qui choisit. Ah, bah, Wendy. Wendy choisit un truc où il n'y a pas trop de coffres. Celle-ci. Allez, avec que des coffres. Ah, ouais, ça va être la merde. Non. Oh, je me suis fait. Non, je pensais que la porte était l'enfer. Je n'ai pas ouvert de coffre. Non. Attends. Oh non, Linoa. Désolé. Ouvre le coffre, ouvre. Non. Il y a un coffre, t'as son service. Prends. Putain, à chaque fois, c'est elle. J'entends les coffres et tout, il n'y a rien. Ah là. Non, c'est vraiment nous deux. Il m'a fait tellement peur, fais plus jamais ça. C'est nous deux qui sommes morts en premier avec Gotha, quoi. Ouais. Il reste que les filles du coup. C'est qui t'a tué, Gotha? Wendy. Ah, c'est pour ça, parce que j'avais là que des filles Wendy, GG Wendy. Eh, comme quoi, sous la pression, elle est encore meilleure. La Wendy, elle va peut-être faire son top 1 sur celle-ci. Attention, on va suivre ça. Oh non. Non, mais les filles, vous avez des pompes, c'est incroyable. Hein. Vos pompes sont incroyables. Oh le trap, c'est magnifique. Le niveau. Je l'avais pas vu. Moi non plus, mais. Tu mets 60 dans la tête, je crois, en plus. Oh la fin, t'étais trop belle, genre en mode oh, je suis en danger. Genre, oh, je me sens pas bien. Oh là là, non. Ça, même lors de spécial pro, on le voit pas. Hein. Non, c'est vrai, je l'ai vraiment pas vu là. Non, mais je pense que l'emplacement est fait pour aussi. Hein. Puis après les balles de pompe, j'avais vraiment. Oh là là, Wendy. Mais c'est quoi ça? Elle est on fire. Elle s'est réveillée là. Wendy, derrière toi. Face à Meili. Moi, je t'ai pas entendu. Non, tu tournes, tu t'arrêtes. Ah, ça passe face à Wendy. Meili contre Wendy. Ça touche dans le chair de la victoire de Meili. Qu'est-ce qui lui arrive à Meili? Elle écrase tout, hein. Pour la kill, toi. Pour le coup, Wendy, t'as pas fait d'effort. Elle était devant toi. J'ai pas de chill. En fait, j'avais rien, j'ai 20 cheveux. En fait, je l'avais pas vu, mais le problème, c'est que j'entends pas de mon oreille droite, en fait. Donc, du coup. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive pas à voir. Dis-moi, Yuna, ce qui a marqué. Oh non, c'est pas ce que je pense. Il y a marqué 106 max? Quoi? Non, mais on peut retirer? Non. Il reste combien de games? 106 max? C'est la dernière? 106 max? Non, vraiment? Non, c'est pas possible. Non, mais moi, j'ai une sens hyper. Non, en plus j'ai augmenté les DPI et tout, sérieusement. Moi je suis en 800. Moi ça me dérange pas. Je l'ai fait moi. Je suis déjà à 106 max sur le jeu. Moi j'ai pas discuté non plus. Non, tu changes pas les DPI. C'est le dernier round. Ça a été moi dernier sur ce round. Ça va être moi qui vais choisir le spawn. Comme d'habitude, on s'excuse sur YouTube, on s'excuse en live. Ça va être désagréable à suivre, mais c'est le défi. Oh my fucking god. Ah, moi ça me dérange pas. Ok, je dois jouer sur 1 cm. Vous pouvez pas changer votre DPI par contre. J'ai l'impression que mon jeu il s'arrête. Non, mais moi j'ai l'impression qu'il saccade. Mais il saccade de ouf. Ouais, non, ça. Franchement, ça va être du Salty Springs. Encore en 6 max. Mais c'est une horreur. Oh mon dieu, ça bug. Dans ma maison. Non, mais pareil. Oh, je te pioche.
pioche. En plus, t'es relou. Non, Lino. Mais Lino encore. Mais c'est qui ça? Viens, on se fight à la pioche comme. C'est qui dans ma maison? Wendy. Je sais pas. Horrible. Je te déteste. Viens, on se bat à la mienne. Non. Ah. Amy. C'est une horreur. Ça va même pas monter. C'est une horreur. Wendy, je suis désolée. Oh, c'est pas grave, j'ai mal à la tête. C'est impossible de gérer ça, je vois rien. Désolée. Mais Maddy, t'as l'air tellement à l'aise. Moi, je fais un. Non, je t'assure que non. C'est sympa le Royal Rumble. Hein. Regarde. Vu, c'est sympa comme expérience. Hein, c'est super fun. Ah non, mais à quel moment? Et en tout cas, Lino, t'as pas l'air d'être tant que ça perturbé, hein. Tu vois un peu ton gameplay, ça va, hein. C'est trop chaud. Non, mais Lino, elle vient. Non, mais Lino, sérieux? Oh là là, je peux pas. Mais ah non, attends, mais j'étais dans un fight là, sérieux. Elle a pas changé sa 106, bah. C'est pas possible. Qui? Ah si, si, j'ai changé, mais en fait, de base, je suis déjà à 0,70, donc je suis habituée à la chance. Ah, mais elle a de la chance. Ah, elle a de la chance. Ah, mais c'est pour ça, mais elle est trop. Mike, il est tout vu, t'as fait la danse. Mais t'as vu, je peux. Non mais gros. Ah non, quand même, quand même, vous avez j'avais un bon pompe quand même. En fait, ça me dérange vraiment pas de jouer à 1 parce que je suis déjà à 0,70 de base. Okay, non, mais ah ouais, moi ça me dérange. Et bah tu vois, ça te sert dans ce genre de moi moment. Je suis en 0,14, je t'assure que je la vois la différence. Ah, moi je suis en 0,10. En tout cas, le stop de Gotha a été très efficace. Victoire de Gotha sur ce dernier round. Mais t'as combien de dépayés en jouant en 0,7? 800. Ouais, c'est énorme, hein, je sais. Hein, mais ouais, je sais, c'est énorme. Ouais, mais en fait, genre, je suis habituée à faire des petits mouvements et pas à faire des gros mouvements. Donc Lino qui m'a fait la misère. Désolée. Tu reconnaissais mon skin ou c'était du hasard? Ah non, non, c'était un pur hasard. Ok, tu m'as ruiné mon royal. Désolée. Je t'ai pas tué ce soir, Doug. Ouais, on s'est pas croisé. Vos, toi, comment tu l'as vécu ton royal? Super cool. Bon, après, j'ai pas pu démontrer grand chose, mais ça reste néanmoins super cool. Donc, le format va un peu ça aussi, tu vois. Ça se ouais, c'est ça, c'est vachement plus fun qu'autre chose, donc c'est pas facile. Mais franchement, c'est super cool. Merci beaucoup de m'avoir invité d'ailleurs. C'était avec plaisir. Très sympa. Honnêtement, avec plaisir. Très sympa. Et Wendy, alors Wendy, c'était vraiment le centre de l'attention tout le temps du royal. Malgré le fait qu'on a essayé de tous de te déconcentrer, t'as quand même bien kiffé ton moment. Ouais, c'était bien. C'était cool. J'étais un peu trop croisé, mais je reprendrai ma revanche. Ouais, je comprends, on a peur de moi en game. Non mais j'avoue, après Linoa t'as bien vengé honnêtement. On a les scores et on va commencer avec la 8ème position. Gotha l'a dit, à ton avis Gotha, la dernière position c'est... Attends, vu que tu fais ça c'est du bait, du coup c'est pas celle que je pense. Moi j'aurais dit Wendy. Non mais tu peux dire Wendy, hein, pas une surprise. Ah non mais je dis ça parce que t'as pas eu de chance, hein, mais... Effectivement, c'est pas ce que tu pensais parce que c'est moi qui termine dernier à cause de Linoa qui m'a déglingué. Ok. Je n'ai que 17 points. Juste au-dessus, 7ème position, effectivement c'est Wendy avec 3 points de plus. Elle l'a dit, hein, c'était pas sa soirée en termes de niveau, mais elle a non, tellement mais moi je suis nulle de base, hein. Genre moi je suis jamais venue en disant que j'étais forte, hein. Moi je suis éclatée au sol. Hein. Sixième position avec uniquement 2 points de plus par rapport à Wendy, c'est Vos qui termine à cette place-là. Vos, quand même contente, j'imagine. Contente, j'irai pas jusque-là, mais sympa. Juste au-dessus, elle pensait ne rien pouvoir faire, mais elle termine quand même 5ème. C'est Dejna avec 30 points, donc quand même pas mal de points au-dessus de Vos. C'est Yuna avec 31 points qui termine 4ème. Bah oui. Ça reste un bon score. Bah oui, c'est très bien. Qu'est-ce qui t'a manqué pour aller chercher un peu plus haut? C'était Meili, en fait, je la croisais tout le temps. Bête noire. Voilà, non, je te jure, hein. Toutes les games c'était elle pratiquement. Donc, Tu te souviens combien de fois tu l'as affronté? 2-3 fois, hein. Ah franchement. Ouais, donc quasiment pareil que moi et Linoa. C'était, ouais, c'était ça. Dès que tu meurs, il y a marqué. Okay. Voilà, c'est bon. Je connais ça, ok, il n'y a pas de souci. On rentre sur le podium et j'en ai beaucoup parlé. Honnêtement, ça me fait plaisir de voir au moins que ça a servi à quelque chose, que je meurs autant. Troisième position, c'est Linoa qui gratte sa place sur le podium avec 32 points. Un point de plus que Yuna. Ah, ça joue à rien. Ça, c'est à cause du kill à la R, ça, le moins 2. C'est vrai, tu l'as dit. Ouais. Tu l'as dit que ça allait te coûter cher et les malus sont là pour ça. Linoa, GG. Bah ben, merci. Tu t'y attendais honnêtement ou plutôt une surprise? Franchement, non, parce que j'arrivais en mode un peu stressé. Mais finalement, ça va. Genre, trop bien. Bah, cool. GG. Ouais. Honnêtement, GG à toi. T'as été très solide. Et il reste la deuxième place et la première place. 59 points pour la première place. 57 pour la deuxième place. Ah oui, c'est méga close. Ça se joue à 2 points. Regardez qui a gagné. C'est Meili. Mais non. La victoire de Meili avec ses 10 kills. Égalité avec Gotha. C'est un très beau match. Honnêtement, incroyable Meili qui arrive à l'emporter. Ouais, hein. Merci. C'est pas une victoire volée, tu vois. Ah non, elle a trop bien joué. Elle mettait des sales trucs, quoi. 59 points Meili qui l'emporte. J'imagine contente. Parce que c'est vrai que la dernière édition, t'es reparti un peu déçu. Ouais, j'étais pas. J'avais le Gotha gâché derrière. Par contre, 59 points, même, c'est beaucoup. Parce que en soi, je crois que par exemple, Rox, il avait gagné que 52. Enfin, il y a un truc comme ça. Hein, ouais, donc en soi, 59, c'est énormément de points. Bah après, elle a fait ses 10 kills hein, aussi. Hein, 10 kills, c'est pas tous les jours qu'on les tape au Royal Rumble. Au moins, ça fait plaisir. Ça montre encore une fois, on le disait, joueuse professionnelle, elle a rien à envier à personne. Elle est venue comme Kickstart, c'est genre la première fois, elle est pas trop dedans et elle revient, elle est en mode bon bah. Qu'est-ce que ça fait la différence, Meili, honnêtement? Qu'est-ce que tu conseillerais aux autres filles prochaine fois? Parce que là, on sent une vraie différence entre première édition et deuxième édition. Alors que bah déjà, je me suis beaucoup entraînée. Bon, pas forcément pour le Royal Rumble, mais j'avais un manque de niveau conséquent, donc j'ai vraiment tryhard ces derniers temps. Et après, le fait d'être à l'aise aussi, ça y joue beaucoup. Moi, je suis à des grosses
soucis avec des stress et tout, et là je me suis sentie vraiment bien. Quoi. Sûrement non, la ouais, même chose. Si t'es en mode LAN comme ça là et t'arrives à être à l'aise. Non mais c'était plaisant. Honnêtement, on a kiffé. Faites-nous des retours sur les divers réseaux sociaux. Si vous avez kiffé encore une fois le groupe et l'ambiance, et puis bah on va continuer dans ce sens-là. Hein. Si vous kiffez et qu'on kiffe, aucune raison de s'arrêter. Donc à lundi prochain. Ciao.